Us est de cette catégorie de films qui récompense les spectateurs à chaque visionnage. Chaque plan, chaque élément du film semble être les parties d'un tout, autant d'indices laissés en chemin par le facétieux Jordan Peele pour nous laisser le soin d'interpréter une œuvre par définition complexe et aux multiples lectures. L'effet miroir de Us se matérialise par de nombreux détails. Les terrifiants doubles doppelgangers, le lieu de jonction à Santa Cruz qui change d'ailleurs d'apparence au cours du film, la société américaine où les gens se tiennent joyeusement la main pour lutter contre les inégalités ou plutôt pour se donner bonne conscience, la symbolique omniprésente des chiffres ou celle des animaux comme les lapins, l'araignée et même le hibou à la signification bien précise. Us est un florilège de symbolisme. Et on oublierait presque celui des ciseaux, objet au fonctionnement parfaitement symétrique, mais au mouvement contraire. Vous l'aurez compris, Us est un terrain de jeu extraordinaire pour nos analyses. Mais pour mieux comprendre le film, ses symboles, sa narration et sa signification, reprenons les choses dans l'ordre. En 2017, le coup d'éclat que représente Get Out propulse la carrière de cinéaste de celui dont personne n'aurait pu prédire un tel virage artistique. Jordan Peele, fort de son succès critique, public et ne l'oublions pas, financier, avec ce qui était une petite production remportant plus de 25 fois sa mise, reste néanmoins fidèle à lui-même et de l'époque de son duo Key and Peele, en faisant subitement grincer les vieilles portes du cinéma hollywoodien engagé. En dépoussiérant un propos pourtant pas spécialement novateur, avec un traitement rigoureusement singulier, il inscrit dès le départ dans son œuvre une fusion idéalement équilibrée entre horreur, fantastique et sous-texte sociétal. Get Out devient, par conséquent, le modèle moderne d'un cinéma à la fois de genre, mais aussi d'auteur et toujours indépendant, tout en étant d'une qualité d'exécution remarquable. Couronné par l'Oscar du meilleur scénario original, Peele se concentre alors sur sa société, Monkey Paw Productions, créée en 2012 pour les très belles productions des sketchs Key and Peele. Après la comédie Can You, en 2015, dont il est producteur, scénariste et acteur, Get Out vient délicieusement bousculer l'image d'humoriste qui lui colle à la peau. Et les projets à venir, nous allons le voir, seront encore bien plus spectaculaires quant à la mise en abîme d'un propos de plus en plus précis. Si Get Out représente un bond de géant dans le savoir-faire de Jordan Peele, Us en est une véritable révolution, tant les différentes lectures se révèlent complexes, jonglant avec ses nombreux symbolismes, son incontournable dimension horrifique et bien sûr son impressionnant twist final, dont une partie est soigneusement dissimulée au spectateur. Et on verra que la symbolique principale, s'articulant autour des notions de faux-semblant et de double sens, va jusqu'à se voir développer dans une autre œuvre mineure de Peele, véritable effet miroir en contre-champ. Si le virage opéré par Get Out semble spectaculaire, il ne l'est en réalité pas vraiment, et nous y retrouvons, comme vous pouvez l'apprendre dans la première analyse dédiée à Jordan Peele sur Mac the Filmmaker, les notions de double conscience et d'opposition sur les plans de l'identité raciale, culturelle ou tout simplement d'appartenance sociale. Profondément intellectuel, l'horreur de Get Out est pourtant tout à fait palpable, et le film possédait déjà une sorte de compagnon de route produit par Jordan Peele, sorti l'année d'après, Black Klansman de Spike Lee, l'histoire vraie du policier afro-américain Ron Stallworth, qui infiltre le Ku Klux Klan en 1979. Ce coup d'éclat thématique, que vous confirmez des œuvres telles que l'extraordinaire Queen and Slim de Melina Matsoukas en 2019, ou encore le court-métrage primé aux Oscars Two Distant Strangers en 2020, très fortement inspiré de Groundhog Day for a Black Man de Cynthia Kao en 2018, qui avait déjà inspiré l'épisode Replay de The Twilight Zone de Jordan Peele en 2019, avec ses références subtiles au Jour sans fin d'Harold Ramis, s'inscrivent dans une période de tension discontinuelle pour les minorités aux États-Unis, profondément marquée par l'affaire George Floyd en 2020. Suite au succès de Get Out, véritable ovni dont on définit encore bien mal le positionnement thématique, Jordan Peele souhaite recentrer sa force créative autour du genre de l'horreur. Avec un budget 4 fois supérieur, Us promet d'être plus effrayant, moins lisible, abordant une peur profonde plus organique et viscérale. Et comme pour Get Out avec Black Klansman, un autre film compagnon de route s'invite à la table avec des thématiques étrangement similaires. En effet, en 2018, alors en plein tournage de Us, Peele entre en discussion avec Clive Barker et les détenteurs de la licence Candyman, dont il finit par acquérir les droits en vue d'un tournage pour l'année suivante, où il est crédité comme co-scénariste. Us et Candyman. «
Deux films très différents quant à leurs propos, mais qui sont pour Jordan Peele l'opportunité de développer les notions de dualité et de double conscience, avec une idée centrale commune, bien que non volontaire, la symbolique du miroir. Et vous allez le voir, comprendre Candyman permet, paradoxalement ou non, de mieux comprendre Us. Originellement, le Candyman de la nouvelle de Clive Barker en 1985 est décrit comme un homme blanc mystérieux à la peau très pâle. Il devient un afro-américain sous l'impulsion du scénariste et réalisateur Bernard Rose en 1992, transposant l'histoire à Chicago dans le quartier pauvre ayant réellement existé de Cabrini Green. Il explore les questions de légendes urbaines et de leur emprise sur la population, occupe le champ historique avec la métaphore du passé ségrégationniste dont est issu le personnage, mais permet surtout de poser les délicates notions d'identité et d'appartenance culturelle. Pour faire simple, Candyman, en tant que légende urbaine craint par une population pauvre et par conséquent plus prompte à croire à l'impossible, aurait l'exacte même fonction que les doppelgangers de Us, le reflet de notre conscience individuelle se fracassant avec violence contre celle de notre appartenance au collectif, à la société, aliénant les notions d'appartenance et d'identité, que cela soit sur les plans culturels ou raciaux. Ce qui, précisément, se traduit par les problématiques de double conscience posées dans Get Out et le statut social dans Us. Candyman n'est qu'une légende en tout état de cause, même si le film brise l'ambiguïté de l'existence même du personnage, cristallisant et extériorisant la culpabilité et la douleur des Afro-Américains isolés dans leur ghetto, littéralement à la merci d'une légende urbaine comme métaphore de leur emprisonnement social. Ainsi, Candyman serait un fantôme vengeur né d'une horrible vindicte populaire, à l'image de John Coffey dans La Ligne Verte, accusé d'avoir entretenu une histoire d'amour avec une jeune femme blanche. Alors que le monde se modernise, s'urbanise, l'ombre du tueur au crochet agirait comme un rappel traumatisant que la minorité afro-américaine ne peut s'émanciper et briser les chaînes persistantes de sa condition sociale, même dans un quartier neuf comme Cabrini Green, qui, littéralement abandonné par les autorités dans le monde réel, dépérit rapidement. Le Candyman de Jordan Peele s'installe en opposition à celui de Bernard Rose tout en cherchant la complémentarité. Ainsi, le film s'ouvre avec le logo inversé de Monkey Paw Productions et amorce sa narration avec des plans miroirs du Candyman original. Bernard Rose filme Chicago de haut, puis dans le véritable Cabrini Green, de son point de vue d'observateur sur un sujet traité de manière quasi-documentaliste, quand celui de Nia DaCosta prend le parti d'une contre-plongée parfaite pour accentuer le poids écrasant de la ville et forcer l'immersion. Une histoire qui n'est désormais plus montrée du point de vue de personnes blanches est de mettre carrément le héros dans la peau du monstre, ou presque. Là encore, la métaphore de la légende urbaine, au-delà de l'aspect fantastique du récit et au même titre que Us, tente à mettre en scène une satire sociale que la gentrification de Cabrini Green ne rend que plus opaque pour ses habitants. Ces derniers continuent à faire perdurer les vieilles légendes urbaines, mais sans ne plus forcément en saisir le sens, puisqu'absorbés dans la normalisation sociale, leur identité culturelle se diluant progressivement, symbolisée par l'effacement des contours de la légende originelle. Une quête au sens de la démarche du personnage principal, artiste et photographe, observateur par définition, au même titre que Chris dans Get Out. Et si la question raciale reste centrale dans la construction du nouveau Candyman, et dans ses différentes itérations symboliques que le générique de fin explicite clairement, Jordan Peele ouvre le champ des possibles dans Us pour adopter une rhétorique plus universelle, et par définition plus terrifiante, autour de la notion de marginalisation sociale. Tout comme Get Out, ce second long métrage prend ses inspirations d'œuvres ayant marqué Jordan Peele, et mettant en scène des protagonistes que l'on peut aisément qualifier de marginalisés. Dans la série The Twilight Zone de Rod Serling en 1959, l'épisode Mirror Image raconte comment la jeune femme Millicent Barnes voit apparaître son double vraisemblablement maléfique, cherchant à la remplacer. Si la raison n'est pas expliquée dans l'épisode, cette inspiration directe au propre aveu de Jordan Peele vient également nourrir l'idée d'une forme de marginalisation venant engloutir l'individu qui peine à trouver sa place dans la société. Un thème très largement développé au fil des décennies à la télévision et au cinéma de manière plus ou moins évidente, avec des protagonistes qui possèdent tous un point commun, de Millicent Barnes à Adelaide Thomas. Le fait d'être parfaitement normaux, sans génie ou fantaisie particulière, soumis comme l'individu le plus lambda qui soit au poids écrasant de la société.
C'est le commercial de Duel de Steven Spielberg, dont la morne vie se résume à une longue route que la symbolique du changement via le camion vient détourner. C'est le travailleur pauvre de Joker de Todd Phillips, enfermé dans une vie misérable avec sa mère, s'aliénant le monde qui l'entoure jusqu'à en devenir malade et littéralement fou. Ou encore l'émigré marocain en Allemagne avec Tous les autres s'appellent Ali de Rainer Werner Fassbinder, si l'on veut creuser la question raciale en Europe. De nombreuses inspirations construisent et structurent l'œuvre de Peele. Ainsi, plusieurs films apparaissent au début de Us, matérialisés par les VHS disposés de part et d'autre du téléviseur que regarde la jeune Adélaïde, qui porte des thématiques soulignant de manière évidente les inspirations de jeunesse du cinéaste, et pour certaines moins symboliques que purement récréatives. Les Goonies de Richard Donner en 1985 est l'histoire d'une bande de gamins geeks marginalisés qui vont explorer la piste secrète d'un pirate légendaire. Le passage souterrain fait figure de trope habituel du genre, celui du trou de lapin d'Alice, symbole d'un état transitif que l'on retrouve dans Us avec l'accès au monde souterrain via un manège de Santa Cruz. L'homme aux deux cerveaux de Karl Reiner en 1983, comédie potache avec Steve Martin, raconte l'histoire d'un chirurgien qui tombe amoureux du cerveau d'une femme par connexion télépathique, le même genre de connexion que vont partager les doppelgangers dans Us. Enfin, nous y trouvons le film L'étoffe des héros de Philip Kaufman en 1979, qui raconte l'histoire des premiers astronautes américains. Us se déroulant en 1986, l'année de la terrible catastrophe de la navette spatiale Challenger, Jordan Peele met ici en avant la propension du gouvernement américain, alors en pleine guerre froide, à dépenser des sommes indécentes dans la course spatiale plutôt qu'à lutter contre les inégalités qui vont se creuser de façon dramatique au sein de la société américaine à cette période, sujet au cœur du film. Et au-delà de sa filiation avec l'horreur et l'idée de marginalisation, Us va aussi broder une étonnante proximité avec The Shining de Stanley Kubrick, par le biais de plusieurs références visuelles directes, renforçant sa filiation avec le genre mais aussi avec sa dimension intellectuelle. Nous pourrions alors nous amuser à imaginer un parallèle osé avec l'hôtel Overlook, absorbant l'âme tourmentée de Jack et celle des souterrains de Us, lieu d'enfermement d'un état mental alternatif dont nous ne voudrions pas accepter l'existence. La symbolique du miroir y est tout à fait présente et préservée, et de se demander si Jack, au final, n'aurait pas lui aussi un doppelganger dans le labyrinthe mental de l'hôtel. La référence la plus importante est cependant celle du programme que regarde la petite fille en introduction du film. Le clip promotionnel de l'événement caricatif Ends Across America, ayant eu lieu en mai 1986 dans le but de récolter des fonds pour lutter contre la pauvreté, et dont l'objectif symbolique était de créer une chaîne humaine de New York à Los Angeles. Une tentative de prise de conscience collective, plus ou moins marketing et plus ou moins caricative, pour officiellement mettre un terme à toute idée d'ostracisation sociale, dans ce grand Overlook Hotel que représente la nation entière. Hands Across America n'en reste finalement qu'au statut de symbole, donnant bonne conscience aux participants mais ne changeant en rien le niveau de pauvreté aux États-Unis. Dans Us, ce concept de chaîne humaine est au centre de la narration, mais pas celle que l'on voudrait nous faire avaler. Il ne s'agit aucunement de se tenir joyeusement par les mains et communier ensemble pour un avenir meilleur, mais plutôt d'extrapoler cette idée tout à fait curieuse et pourtant d'une logique accablante, que l'action des uns aura nécessairement un impact sur les autres, mais rarement dans un mouvement de linéarité et transmission horizontale parfaite, plutôt d'ordre hiérarchique, avec ses notions d'ascension et chute sociale, symbolisées par la mécanique des ciseaux, grande métaphore des inégalités sociales par sa simple fonction symétrique. La toile de fond est posée. Bien plus qu'avec Get Out, le propos de Us s'étend à toutes les couches sociales, dont la représentation symbolique bascule forcément à un point donné, dans une sorte de monde à l'envers, à l'image de la série Stranger Things. La symbolique du miroir et des notions l'accompagnant, la symétrie, l'opposition ou encore l'équilibre, transparaît alors dans tout le film. Le postulat de Us est volontairement flou, avec l'idée d'une expérience gouvernementale qui aurait mené à la création de doppelgangers, intimement liés à leur double, parqués dans des souterrains et dont quiconque ignore l'existence. D'aucuns y verraient un lien avec l'opération de transplantation psychique de la famille Hermitage de Get Out, mais Us inscrit sa métaphore bien au-delà d'une simple volonté de voler une enveloppe charnelle. Il est intéressant de noter qu'en version originale, le mot choisi par Peele est « tethered », littéralement « les attachés ». Ainsi, les doubles auraient la capacité de pouvoir agir sur les originaux à la surface, car ils partageraient la même conscience. Une notion quelque peu curieuse, mais qui se révélera finalement très importante dans la narration, et plutôt lucide de la part de Peele en sa qualité d'auteur. Ainsi, les doppelgangers disposeraient des mêmes caractéristiques que leurs doubles.
Il symbolise en effet la part sombre de chaque individu, qui sommeille mais qui peut refaire surface pour nous attirer dans les limbes. En tout point, le propos du film fait donc référence à une autre VHS aperçue au début de la narration, Shud de Douglas Cheek en 1984, mettant en scène des créatures vivant dans les souterrains, en réalité des sans-abri ayant muté au contact de déchets radioactifs alors que personne ne se souciait d'eux. Une métamorphose sociale symbolisée en transformation monstrueuse, à l'image de la métamorphose de Kafka, ou plus récemment La Mouche de John Langelan, adaptée deux fois au cinéma. La caractérisation des doppelgangers de Us est ainsi multiple. Le film évoque fortement un passage du livre de Jérémie de l'Ancien Testament, chapitre 11, verset 11, explicitant visuellement la symbolique de la dualité par effet miroir, en plus de refléter la structure familiale typique ou tout simplement le motif de chaîne humaine. Un symbole qui apparaît souvent dans le film, tantôt de façon anodine comme le choix du lot pour la petite fille, ou plus évidente comme le panneau de l'homme à Santa Cruz, le réveil de la maison, et même subtilement comme le t-shirt de la jeune fille. Cette symbolique est également celle de la symétrie, représentée par les sœurs jumelles évoquant The Shining, mais également l'arme de prédilection des attachés, les ciseaux, constituée de deux parties identiques agissant à l'unisson de manière inversée. Enfin, l'opposition en miroir est également à lire sur le plan plus philosophique. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Jérémie prophétise une catastrophe dont on ne peut échapper. Mais plus que tout, personne ne nous entendra crier, et personne ne nous viendra en aide. La métaphore est complexe, mais lisible à un certain niveau. En brisant l'alliance avec Dieu, le peuple est puni et les prières ne seront plus entendues. Dans Us, l'ordre commun de toutes choses est rompu par la main de l'homme en opposition au pouvoir créateur du divin, créant un déséquilibre. Mis en opposition avec la société supposément normale, les doppelgangers sont ainsi désignés comme les autres, les marginalisés voire l'ennemi, le corps étranger indésirable qui cherche à envahir et prendre notre place, mais bel et bien instauré par l'homme. Leurs actions symbolisent les malheurs prophétisés par Jérémie, mais le lien que tente Jordan Peele avec la Bible reste ténu, sinon quelque peu maladroit. La véritable question serait finalement plutôt de savoir quelle est la véritable nature des attachés. Lorsque Gabe Wilson demande ce qu'ils sont, Red répond qu'ils sont américains. Cette phrase anodine permet de mettre en évidence la double signification du titre, Us comme nous, mais aussi acronyme de United States, renforçant l'idée que tous sont des produits de la société américaine, et qu'il ne faut en réalité pas chercher à les caractériser différemment. Les Wilson et leurs doppelgangers sont ainsi l'ensemble d'un tout. Jordan Peele appuie l'idée que si certains vivent confortablement, c'est à la seule condition que de l'autre côté du miroir économique et social, d'autres sont voués à souffrir. L'autre côté du miroir est, à ce titre, figuré par un passage que chacun peut emprunter, véritable trou de lapin à la mesure d'un Alice au pays des merveilles. Si les uns sont nécessairement intriqués socialement avec les autres, dans un mouvement commun mais contraire, Jordan Peele n'oublie cependant pas les fondamentaux de la fable qui s'appliquent à son cinéma. Car Us est aussi et surtout l'histoire d'un retournement de situation spectaculaire, mise en scène avec brio et symbolisme, pour mieux renforcer l'immersion et ainsi dissimuler avec malice ses intentions d'auteur. À Santa Cruz, le trou de lapin se situe dans une attraction, Shaman's Vision Quest en 1986, renommée Merlin's Forest au présent, que la jeune Adelaide, enfant, visite après avoir échappé à la surveillance de ses parents. Ce point de conjonction, où la jeune fille est confrontée à son double, permet le passage d'un monde à l'autre, qui n'est pas sans rappeler les références aux Goonies et à Shud. Le monde souterrain est d'ailleurs littéralement un trou de lapin, vu par Jordan Peele comme des êtres terrifiants. Lors de la séquence d'ouverture, les animaux sont en cage et symbolisent la condition des doppelgangers, objets d'expérimentation scientifique, privation de liberté, le tout empreint de notions de désenracinement, voire d'esclavage. Le lieu caractérise aussi l'impuissance des marginalisés, mis de côté par la société et souvent incapable de sortir d'un enfermement forcé, symbolisé par un trou, un souterrain, où il est facile de tomber mais quasiment impossible de remonter, sinon au prix d'efforts surhumains. Une invisibilisation, en quelque sorte, qui n'est pas sans rappeler le fantastique concept du gouffre de l'oubli. Un premier symbolisme très fort se cache dans les premières séquences. En se perdant dans l'attraction, Adelaide siffle l'air d'une chanson enfantine anglophone, The Itsy Bitsy Spider, racontant les déboires de l'araignée Itsy Bitsy, que les tentatives d'avancer sont réduites à néant par les éléments et les prédateurs.
D'aucuns affirment que cette comptine serait également la métaphore de la tentative d'ascension sociale d'une population pauvre, voire d'esclaves libérés, dans une Amérique n'étant pas une terre d'opportunités pour tous. Cette métaphore de l'araignée ne pouvant s'extraire de sa condition peut se lire comme celle des doppelgangers ne pouvant s'extraire de leur trou de lapin. Adélaïde adulte observe d'ailleurs une araignée sur la table, confrontée à un double effrayant et surdimensionné, occupant un territoire qu'il est préférable de fuir. La métaphore de la condition sociale est, aussi, celle de l'illusion, si puissante, si réaliste, qu'elle impose une forme de croyance par la crainte qu'elle suscite. Alors que Get Out met en évidence un racisme systémique aux dépens d'une partie de la population dans un rapport de force manichéen, Us englobe les problématiques sociales dans son ensemble. Au même titre que la gentrification de Cabrini-Green efface l'identité historique d'un territoire, d'une population et d'une diversité sociale, celle de Us va provoquer la normalisation à l'extrême de la société jusqu'à son plus haut point, en mettant en scène le fait le plus symbolique de l'histoire des États-Unis. Shaman's Vision Quest en 1986 est en effet un rappel des premiers peuples des territoires nord-américains, occupants légitimes mais chassés par les colons. À l'époque moderne, ce rappel historique est tout bonnement effacé, remplacé par Merlin's Forest, fantasme pseudo-historique européen mettant en scène les pouvoirs d'un mage blanc n'ayant même pas existé. La symbolique est trop forte pour être hasardeuse, soulignant la disparition coordonnée de tout un peuple, à l'image des lieux de culte amérindiens saccagés par des constructions modernes, comme l'hôtel Overlook, soit dit en passant. Et c'est bien en cela que Us s'oppose à Get Out, tout en allant dans une certaine direction visant à compléter la vision globale de Jordan Peele. Le discours dépasse ici toute idée de discrimination individuelle, qu'elle soit raciale, religieuse, sexuelle ou même politique, pour soutenir que chacun possède non seulement un capital identitaire propre, mais surtout un capital social qui va déterminer la place qu'il occupera dans la dite société. Les doppelgangers, symbole de la marginalisation, s'inscrivent parfaitement dans le discours pessimiste du film où le déterminisme social est maintenu par la classe aisée, empêchant l'émancipation des autres par peur de se voir remplacés. Les attachés, selon la terminologie de Jordan Peele, seraient bien le contrepoids nécessaire à cette classe aisée, la fonction d'équilibre permettant à l'économie de maintenir ses inégalités au profit de ceux qui peuvent, de manière effective, agir sur elle. Mais comme toute bonne fable qui se respecte, et au même titre que Chris dans Get Out, un élément perturbateur vient mettre à mal le fragile équilibre social que développe Jordan Peele dans Us. Et ce n'est pas un, mais bien deux anomalies que le film nous propose de débusquer. Progressivement, le film dévoile qu'Adélaïde serait le doppelganger, ayant remplacé la véritable petite fille du monde supérieur, désormais nommée Red en 1986, alors que le monde entier se tenait la main dans un élan national béat. La véritable Adélaïde, mourante, siffle alors la comptine The Itsy Bitsy Spider, comme elle le faisait étant enfant avant d'être kidnappée. Il est alors fait état de cette jeune fille abandonnée dans les souterrains, mais qui avait un avantage sur les autres doppelgangers. Elle sait parler. Cette simple capacité pose la question de l'élévation sociale par l'apprentissage et la culture, et c'est bien ça qui fera basculer les autres alter-ego dans l'acquisition d'une conscience collective, mais aussi purement individuelle. Les révolutions ne débutent que rarement autrement. Il devient alors difficile de distinguer qui aurait le droit au statut d'héroïne ou de victime du film. Red cherche-t-elle la vengeance ou à reprendre sa place dans la société? En provoquant l'insurrection du peuple souterrain, elle ferait presque figure de messie et déséquilibre par son action toute la société américaine, mais ne revendiquant rien de plus que la recherche d'un autre équilibre, rapprochant symboliquement les classes sociales du point de jonction économique qu'offrent les visions du chaman ou, c'est selon, les pouvoirs de Merlin. Dans les deux cas, des illusions maintenant une forme d'espoir à ceux qui y croiraient. Car peu importe le rapprochement des classes sociales dans la vision cynique de Peele, Ends Across America déploie un message solide, mais vain. Les forts finiront toujours par gagner face aux faibles. Une nouvelle opposition en miroir, force et faiblesse. Une notion que l'on retrouve dans la figure du hibou, symbole du mauvais présage pour la véritable Adélaïde, que la véritable Red domine sans demi-mesure. Finalement, Us est bien son histoire, celle de la véritable Red, le doppelganger qui doit se débarrasser de la véritable Adélaïde comme la métaphore du monde capitaliste où la survie de l'un s'accompagne forcément par la mort, sociale ou physique, de l'autre. Peu importe qui est l'héroïne du film, puisque Jordan Peele s'extrait plutôt finement du manichéisme de Get Out, avec un sujet plus sensible car délicat à trancher. La dualité qu'il tente à exprimer peut également se lire plus simplement. Adélaïde et Red ne faisant qu'un, ce qu'elle symbolise ne peut se reposer sur des notions aussi simples que le bien et le mal. L'évidence est là,
Us n'a pas d'héroïne, mais ce twist, la révélation de la véritable nature de la jeune femme, n'est en réalité qu'une façade. C'est bien la présence du fils d'Adélaïde, Jason, qui pose la question dans le film. Un jeune garçon qui semble avoir un trouble de l'attention, au centre des préoccupations de ses parents, avec un comportement étrange, même si peu alarmant, tout en ne quittant pas son masque. Il possède lui aussi son double, nommé Pluto, comme le dieu romain du monde souterrain. Il est ainsi curieusement établi que Pluto posséderait les clés de l'énigme. Et d'ailleurs, il est le seul doppelganger qui ne semble pas en vouloir physiquement à son double. Il montre d'horribles brûlures sur le visage, ne possède pas de ciseaux lors de l'attaque, et cherche à créer un lien avec Jason plutôt qu'à l'attaquer. En somme, il semble bien plus éveillé, contrairement à Abraham et Umbrae. Plusieurs éléments factuels disséminés par Jordan Peele tendent à prouver que Jason et Pluto auraient, eux aussi, interverti leur place avant les événements du film. Adélaïde, que nous savons être le véritable doppelganger, possède certaines mêmes similarités que Jason. Elle n'a pas d'appétit lors du repas dans la maison de vacances, et elle ne sait pas battre le rythme de la chanson « I got five on it » qu'elle cherche pourtant à apprendre à son fils. Ce dernier n'arrive d'ailleurs même pas à claquer les doigts. Jordan Peele nous aiguille alors délicatement vers l'évidence. Jason se représente à la troisième personne sur un dessin avec l'homme à la pancarte, comme s'il cherchait à désigner quelqu'un d'autre. Il se trompe sur des mots évidents, surtout pour un enfant de son âge, construit des tunnels dans le sable, et tout le monde s'accorde pour dire qu'il a quelques problèmes de compréhension. Si la réponse quant à l'énigme Jason n'est jamais explicitée, quand et comment ils ont été intervertis, deux séquences liées viennent appuyer, pour les plus sceptiques, la volonté de Jordan Peele d'adresser un message sur la base d'une théorie explicitée par Red à la fin du film, selon laquelle les attachés ont été créés pour contrôler la population et uniquement dans ce sens. La première séquence est l'interaction entre les deux garçons lors de l'attaque de la maison. Pluto manipule très bien les allumettes, comme s'il s'était beaucoup entraîné, de la même manière que Jason s'entraîne à créer une flamme avec son briquet. Mais puisque Jason serait le doppelganger, ce sont bien ses actions qui influeraient sur celles de son double resté dans les souterrains, comme le suggère leur rencontre dans le placard. En testant son tour des dizaines, des centaines de fois, il aurait incité Pluto à faire de même avec des allumettes, se brûlant le visage progressivement, en observant vainement ce qui devait être un tour de magie inoffensif. La seconde séquence révélatrice se lit dans la mort de Pluto, très structurée sur le plan de l'écriture, à l'aide des différents éléments de compréhension égrenés jusqu'ici dans le film. Le doppelganger s'est parfaitement claqué des doigts, et l'utilise par ailleurs comme une forme de provocation cynique, puisque Jason n'y arrive pas. D'un geste rappelant le tour de magie du petit garçon, Pluto allume une allumette. Le point de basculement se fait lorsque Jason se met à lire parfaitement la situation. Le jeune garçon détecte spontanément le danger, réagit en sortant de la voiture, et se met à reculer pour agir sur son attaché. Ce dernier recule ainsi jusqu'aux flammes et meurt. Souvenez-vous, seuls les doppelgangers peuvent influer sur leur double. À la fin du film, il est ainsi difficile de ne pas voir en ce regard échangé entre la fausse Adélaïde et le faux Jason, toute la portée du symbole identitaire et social posé par Jordan Peele. Une pure idée de symbolisme narratif soigneusement dissimulée par le cinéaste, mais qui renforce celle, plus lisible, de la déconstruction de l'ordre social aux États-Unis, ainsi que la position de Final Girl d'Adélaïde, concept explicité dans l'analyse de Get Out, et inspiré notamment par l'héroïne afro-américaine de l'épisode Demon Knight de la série des Contes de la Crypte, une figure rare au cinéma que l'on retrouve en 2022 dans Nope. Peu importe d'où vient la fausse Adélaïde, son combat personnel contre la marginalisation l'amène dans une position dominante. La notion de bien ou de mal n'a subitement plus cours, celle de marche ou crève se fait alors inexorablement au détriment d'une autre personne. La véritable Adélaïde, qui se positionne par ailleurs comme une figure quasi messianique et quelque part martyre, des doppelgangers dans une tentative de libération qui, paradoxe des paradoxes, est un succès, au moins sur le plan symbolique, porté par Hands Across America. Un nouvel effet miroir qui touche jusqu'à notre capacité à raisonner selon notre sensibilité personnelle, faisant de Us une véritable déconstruction de la nature même des fables moralisatrices, et accessoirement, de proposer le plus remarquable des happy ends à double sens de notre époque. À l'image de Get Out, Us est un électrochoc lorsqu'il sort aux États-Unis. Mais les critiques, bien que globalement très positives, soulignent le nombre impressionnant d'idées que Peele conceptualise dans son film, sans pour autant donner autant de réponses que dans Get Out. Ces critiques n'ont alors très clairement pas saisi la portée de l'écriture du cinéaste pour Us, qui, entre ses nombreux emprunts à pop culture et sa teneur en symbolisme d'une rare profondeur, devient un terrain d'analyse et d'interprétation majeur pour le cinéma moderne. Chose que Jordan Peele réitère dans son troisième film, Nope,
ce que je vous raconte dans une prochaine vidéo sur la chaîne MacGuffin Maker.